Le courrier du jour. Hey! Salut les amis! Eh oui, c'est l'heure du courrier du jour. Ça fait longtemps, mais il me semble qu'il n'y en a pas eu. Sinon, je viens d'allumer que... Ah! Du courrier! Oh! Donc, on y va. Oui, mademoiselle? OK, on est public. T'as trouvé le chocolat? Tu as du mot en attendant? Oh! C'est good. T'es en train de te faire un déconstruit de... Comment ils appellent ça? Un Rocky Road? Hey! Pas de chicane! Je suis en train de faire une vidéo, c'est pas le temps. Donc, ben oui, je parle pas, j'ouvre. Éric Rancourt. Donc, Éric Rancourt de Saint-Étienne-de-Beauharnois nous a écrit. Baptême. S'il y a du tape, même en. Donc. Fin mobile. Joke de Pierre-Baptiste Boucher-Tadéo. En 1990 à Saint-Rémy, dans un cours d'écologie. Salut Babou! Donc, de notre cher ami éloigné. Ouais. Ouh. Petit isolé conclure. Il y avait un petit poil. Il était pas frisé, c'est le chien sel. Capotez pas. Donc, une belle Dominion numérotée de 25. Non, oui, de 50. La 2 de 50. Donc, on a Galchenyuk, Gallagher, Nathan Beaulieu et Jared Tinordi. Donc, en gros, les recrues de l'heure chez le Canadien. Mais pas de l'heure, là, parce que là, l'heure est aux Olympiques. Mais je me comprends. Donc, voilà. Ça, je suis bien content. C'est une belle édition à ma collection. Elle va s'appeler la collection. Ensuite, du SP Game News de cette année. Un beau, comment ils appellent ça? Triple Jersey. C'est exactement le terme que j'aurais utilisé. Donc, une beau Bell Triple Jersey Authentic Fabrics. Donc, Subban, Carey Price et Alex Galchenyuk. Donc, Price qui a connu, somme toute, un bon match. Qui a mal paru dans le seul but qu'il a donné. Mais encore là, c'est pas de sa faute. C'est la faute à Pietrangelo. Un Ontarien. Je jure, j'ai le plou. Et un Fighting Strap numéroté de 15 en SP Game News de... À pop-up, Justin Schultz. Donc, la 4 de 15. Donc, merci. Upper Deck. Non, c'est pas Upper Deck, c'est Eric. Eric Rancourt. Merci, Eric. Alors, étrangement, normalement, je file pas cheap quand... Parce que j'attends toujours de recevoir les cartes, de faire une vidéo et d'en faire une autre que j'emballe, que je prépare et que je poste. Mais étrangement, j'ai comme un petit pincement au cœur. Il me semble que t'aurais pu. Je me comprends, je ne vais pas oublier mon idée, mais je me comprends. Est-ce qu'on la voit? On ne voit pas ça flasher ici. Bon. Là, je me suis un peu. Attendez, ça bouge la sirène. Ça fait pas de bruit, mais ça bouge. J'ai comme tout chambardé mes affaires pour sortir toutes mes cartes des Flyers pour un nouvel adepte de mon groupe que je salue. Salut Daniel. Mais Donc, c'est ça pour Eric. C'était des cartes des Rangers. Plus qu'Eric est un grand collectionneur ou un grand fan des Rangers. Peut-être les deux. Ah, fait que je
vais essayer de trouver ça rapidement. C'est bon, papa. Quoi, mon cœur? L'avais assez mangé, là? Oui, bon. Il est rassasié de sucre, mes bébites. Les bébites à sucre. Maman travaille à soir, mais papa va être occupé. Bon, ça y est, je trouve pas. Je sais que j'ai dû ranger ça quelque part. Inquiète-toi pas, ça va être... je vais quand même faire une vidéo plus tard. Pas question de te rassurer, mais question de faire comme aux autres. Ah, ils sont partis! Too bad! Donc, fait que de ce pas, je vais quand même continuer. Mon dernier, c'était-tu un bullshit? C'était un bullshit break. Je pense que c'était du Heroes and Prospect. Donc, j'ai ça ici. Et ça, contrairement à l'habitude, ça a pris très peu de temps. Je suis très surpris. Fait que peut-être que tu avais raison, Michael, en disant que depuis que tu as changé de poste, ils sont moins forts sur le laxisme. Je crois que c'est Poste Canada. Pareil. S'il vous plaît, pas de chicane. Si vous êtes des filles, ben oui. Hein? Apprends à partager. Parce que sinon. Un jour, quelqu'un d'autre en aura et tu n'auras pas, puis tu n'en auras pas parce que tu n'apprends pas à partager. Ça va dans les deux sens. C'est give and take. Oh, hey, c'est beau, ça. Je savais pas qu'elle était belle de même. Hé, hé, hé. Trois couleurs avec des trous. Bon. C'est fabuleux. J'ai cru à rêver. Donc, la une de 100, c'est-tu vraiment numéroté comme ça? Ça, c'est la première que j'ai. Fait que s'il y en a qui connaissent ça, j'aimerais ça savoir. Ils sont-tu tous marqués One of 100 ou c'est la une de 100? Donc, voilà. Belle. C'est pas patch, mais. Morceau de jersey, morceau de chandail, trois couleurs. Hey, quel fil! Hey, si je suis mal pris dans le bois, on peut faire de la soie dentaire, maison! Et de l'autre côté. Oh, Slack Laugh, Comri, Eric Comri. Donc, je me souviens plus à qui appartient dans la ligne nationale, mais. On ne tardera pas à le savoir. Donc, merci pour le tape qui va servir. Donc, Eric, si tu as du tape vert. Voilà. Donc, c'était pas mal ça pour mes vidéos du jour. Oui, je pense que c'était tout. Quand même, c'est assez. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont payés pour faire de la TV. Moi, je prends votre temps, c'est pas éducatif, ben encore, c'est drôle, là. Mais quand même, tu sais, il y a du monde qui sont maquillés puis qui sont beaux à la TV. Oh, il y a du monde de beau, hein? On te peint-tu pour être peint-tu, toi? Du chocolat, là, t'es loadé en guimauve, là, tu veux tomber dans le chocolat? T'as pas de souper entre ça? Oui, il y a le souper. Oh, il y en a qui sont plus sensibles. Donc. Fait que c'était ma tranche de vie avec ma tronche de cake. Pardon? J'ai dit quoi? Tu veux faire caca? Non! C'est du chocolat? Oui! Pas de suite. Alright, so, merci de me suivre, merci d'être fidèle à mes vidéos, puis, ben, à plus tard, parce que, Eric, je vais faire la préparation de ton envoi, et demain, on va aller prendre une marche ensemble, et je vais tout te dropper ça à la poste. Je sais pas si je vais passer au bureau de poste, ou si je vais utiliser mes beaux gros timbres du millénaire, donc, mes teams de Hockey Night in Canada et de la soirée du hockey. Bonne soirée.